Quand Dieu m'a appelé à faire ce que je fais, les femmes ne faisaient pas ce que je fais. Si vous pensez que ça peut être difficile pour une femme maintenant de servir, vous auriez dû l'essayer il y a 45 ans. Littéralement, et je ne plaisante pas, on m'a demandé de quitter mon église. Et c'était important parce que toute notre vie sera portée à notre église. Notre vie sociale, l'école du dimanche, tout. Et donc, quand j'ai pris cette décision, non seulement l'ai-je faite pour moi-même, mais aussi pour mes enfants. Et cela a été dur pour eux au fil des ans aussi. Beaucoup de gens, nous avons perdu des amitiés. Les gens pensaient juste que j'avais perdu la tête. Et vous savez, les gens ne veulent pas être associés à quelqu'un qui sera considéré comme autre chose que tout à fait normal. Eh bien, vous savez quoi? Je suis normale. C'est juste une nouvelle normale. Je ne suis peut-être pas normale pour vous, ou normale d'après le standard du monde. Et le diable a continué à essayer de me dire que je devais arrêter et être une femme ordinaire. Je ne sais pas ce que c'est. Ce n'est pas moi, je suis sûre de cela. Allez, femme de Dieu, n'essaie jamais d'être une femme ordinaire. Sois la personne que Dieu veut que tu sois. Satan peut utiliser les gens, même ceux qui vous aiment vraiment peuvent être utilisés par Satan pour vous écarter de votre destinée. Ne permettez pas ça. Ne vous comparez pas à d'autres personnes. Qui voudrait vraiment être comme tout le monde? Unique en son genre et plus spécial et plus précieux.